Bonjour à tous. Donc pour ceux qui découvrent peut-être cette vidéo par hasard, je vais me présenter. Donc je suis Alexandre Le Quirec, le réalisateur de la Nuclear Team et président de l'association. Donc je tenais à faire cette vidéo pour présenter un peu les projets qui vont suivre donc cette année 2014. D'ailleurs, ben, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, tout ce qui va avec. Donc voilà, donc les projets de l'année qu'on va vous proposer. Donc ben, déjà, ça va être prochainement, courant janvier, donc logiquement mi-janvier. Ce sera la sortie d'Unité Fox saison 2. Donc moi, à niveau post-prod, pour l'épisode 1, il me manque 2-3 détails de prise de son et fond vert, parce qu'on débute avec le fond vert. Et une fois ça, une fois que ce sera terminé, on sera prêt pour la diffusion. Et donc, je compte faire ça pour mi-janvier, pour donc un délai d'un épisode toutes les 2 semaines, pour me laisser quand même la marque dans la post-prod, que je trouve un rythme, on va dire, régulier, que j'ai quand même une vie privée. Voilà. Ensuite, il va suivre un peu du Nuclear Game qu'on a fait avec Tita. Donc, ceux qui nous rejoignent, vous découvrirez qui est Tita là-dedans. Vous pouvez même découvrir sur nos autres vidéos précédemment. Du coup, Nuclear Game, on sait que vous aimez tout ce qui est horreur, donc on est resté sur le même thème, donc dans l'horreur. Vous en saurez plus donc prochainement. Il y en aura d'autres à suivre, donc là je tiens à vous demander si vous avez des jeux, des suggestions de jeux à nous proposer, c'est avec grand plaisir que nous on le fait. D'ailleurs, même pour un format, si vous voulez du 20 minutes, soyons fous avec vraiment toutes les réactions. Si on fait comme on a fait pour Slender, on laisse vraiment que les parties, les meilleurs moments entre guillemets, où on a peur ou on flippe par exemple. Après, donc Nuclear Game, donc voilà, on a parlé. Le retour du Nuclear Show. Plus ciblé, donc le Nuclear Show, pour ceux qui ne savent pas, c'était des petits sketchs qu'on faisait un peu à la con le dimanche quand on n'avait pas de web série en cours. Donc ça, on va le travailler un peu plus en mettant quand même un petit scénario derrière, donc des sketchs créés par nous-mêmes et un fil d'histoire quand même qu'il y a en fond. Donc ce sera peut-être plus convivial entre guillemets. Donc après, une fois que tout ça sera fait, une fois qu'Unité Fox surtout sera terminé niveau tournage post-prod, on va donc s'attarder sur une autre web série, donc après notre Nuclear Show, qui sera donc Légende, anciennement appelée donc Slayer Online, la web série, c'est celle qu'on a essayé de faire un peu parler pour les subventions. Donc pour des raisons de droit, on a changé le nom, ça reste inspiré de Slayers Online, ça on le cache pas, mais c'est quand même légèrement différent, et c'est une histoire qui est vraiment créée de nous-mêmes. Donc suite à ça, le Nuclear Extreme Show peut-être cet hiver. Je vais essayer peut-être de me faire 2-3 trucs, vu que je ne sais pas faire de snowboard, j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Ça pourrait être sympa de faire 2-3 petits trucs là-dessus. Donc je verrai pour faire améliorer, on va dire, donc enfin plutôt faire du contenu pour le Nuclear Extreme Show. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là on a fait à peu près le tour hein, pour l'année, ça va être ça. A savoir qu'on se prépare, entre guillemets, à prendre de l'expérience. Donc déjà, je tiens à remercier ma nouvelle équipe, parce que la Nuclear Team, donc c'est agrandi, vous pourrez découvrir ça. Et ensuite, on a beaucoup de personnes de l'extérieur, enfin beaucoup, entre guillemets, des collègues avec qui je reprends contact, ou avec qui j'étais en contact, mais qui veulent travailler avec moi. Donc, déjà, bon ben, je tiens à remercier notre compositeur de Unité Fox, Nicolas Avant, qui nous a fait une jolie petite musique pour de fond pour Unité Fox, c'est super, donc merci à toi. Ensuite, ben, on a plusieurs personnes autour de nous pour nous conseiller tout ça, donc ça va nous aider à prendre de l'expérience. Notre but, en fait, ça va être sur tout ce qui est effets spéciaux. Donc ça, moi, j'y connais rien, je suis seul à la post-prod, donc c'est un peu galère pour moi. Et je fais ça vraiment que dans mon temps libre. Ce serait donc vraiment effets spéciaux, tout ce qui est fond vert, pour pouvoir faire une nouvelle web-série que j'avais en projet depuis un moment, qui s'appelle Heroica, sur tout ce qui est super-héros. Donc ça fait depuis quelques années qu'on a le scénario, mais qu'on ne peut pas avancer, faute professionnelle et manque d'expérience de ma part. Et voilà, donc on espère pour 2015, je pense, je souhaite qu'on puisse faire ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Les projets c'est ça globalement, on a pas mal de projets, après ça va suivre de petits courts-métrages aussi, militaires, donc ça va être Section DB, qui on a dû arrêter le tournage parce qu'on manquait trop de... Enfin, les acteurs n'étaient pas tout le temps disponibles, du coup à chaque fois ça reportait et on n'a pas pu aboutir. Mais le projet est toujours en cours, donc ça, à notre niveau actuel, en une après-midi, ou même plutôt une journée, c'est réalisable.
Donc ça, ce serait ciblé plus l'été. Donc c'est à voir. Après, en projet, mais alors vague, j'en parle, mais c'est lointain. Ce serait Web TV. Ça m'a toujours plu qu'on m'avait proposé pour Slender, mais bon, c'est à travailler. Et du coup, une émission en plateau télé. Ça, j'ai toujours voulu faire ça. Quand on a débuté l'association, donc avec Nicolas Avran, qui est donc le compositeur d'Unité Fox, on a travaillé vite fait bénévolement sur un plateau télé pour, avec d'autres junior associations. Et c'est le truc qui nous a quand même pas mal plu. Et j'ai toujours eu ça en tête. Mais bon, il faut des moyens. Et on va essayer de voir sans moyens ce qu'on peut faire. Parce que bon, on n'est pas là pour l'argent, on fait ça pour le loisir. Si on arrive à avoir des fonds, c'est vraiment pour nous équiper un minimum. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Moi, je vous souhaite donc de bonnes fêtes, que le 2014 soit plein de bonheur pour vous, plein d'argent, ce qu'il faut. Et donc, on se retrouve prochainement pour donc toutes nos nouvelles vidéos qui vont arriver. Salut les amis, et n'hésitez pas à partager et à faire parler de nous. Hein. Qui sait, après, on pourra vivre une grande histoire tous ensemble.